Bienvenue à Saveur Locale. Nous retrouvons comme d'habitude avec grand plaisir pour partager une recette très simple. Alors aujourd'hui dans nous l'émission, nous présentons une morgueuse farcie avec poisson salé, donc qui nous met dans une curry. Alors pour ça, nous besoin morgueuse bien sûr. Et là, nous morgueuse, nous finis nettoyer, c'est-à-dire nous enlevons ce bain de la grain, comme on trouvait. Et là, nous mettons les tremper pendant une heure de temps dans de l'eau avec du sel et vinaigre. Donc là, pour nous enlève sa côté amertume qui beaucoup de monde pas trop apprécie. Et là, nous pour farcir nos morgueuses avec poisson salé. Et là, comment vous trouvez mon poisson salé, mon bouilli et mon émietli. Et donc là, les plus faciles pour nous préparer nos farces. Donc, pour sa recette-là, nous avons besoin d'oignons, l'ail, gingembre et piment. Et aussi, nous prenons tilani pour nos carrés, safran, la poudre carré, pomme d'amour, du sel. Et là, nous avons aussi la poudre cotomili. Et bien sûr, pour un bon carré, nous pouvons mettre feuilles carré poulet et aussi à la fin, cotomili. Et là, nous avons besoin de l'huile, bien sûr, pour la friture, parce que quand même, quand nous finis, préparons nos bannes morgueuses avec ce manfos, nous remplis les, nous pourrons frire les avant qu'ils nous préparent nos carrés. Là, d'abord, nous pourrons frire, nous pourrons sauter nos poissons salés, qui me rappelle où, nous finis bouillis et émiettés. Donc, sa poisson salée là, nous pouvons sauter avec les oignons. Donc, nous pouvons prendre un oignon qui nous coupe bien finement. Voilà, nous finis coupe nos oignons. Maintenant, nous de l'huile aussi une chaud. Nous poêle sauter nos poissons. Et je mets les oignons. Là, nous ne pouvons pas frire, elle est trop sec aussi, parce qu'après, elle pourrait frire dans nos morgueuses et après, elle pourrait passer dans nos carrés. Donc là, c'est prêt. Nous pouvons laisser refroidir un petit peu pour nous capables de remplir nos bannes morgueuses avec sa préparation. Hein. Et là, en attendant, nous pourrons préparer nos bonnes épices qui pour accompagner nos carrés. Donc, bien sûr, nous pouvons mettre un oignon. Mettez un bout de gingembre aussi. Voilà, dans nos carrés, nous pouvons mettre aussi piment. Donc ça, c'est optionnel. Si vous en voulez, vous pouvez mettre ou sinon, ça dépend. Et nous l'ail, nous gingembre, nous capables écraser ou bien nous rappeler. Très fin. Voilà, nos bannes morgueuses qui nous met trempées dans de l'eau vinaigrée avec du sel pendant une heure. Nous vide-les
et me montrer où, par exemple, là. Tout simplement, commande une couplie et une entaille au milieu. Voilà. Et là, avec les doigts, on enlève la graine. Voilà donc comment on fait. Nous vide nos mogos. À ce moment-là, là, nous prenons l'île, nous mettons l'île trempée dans de l'eau avec du sel et vinaigre pour nous enlever un peu sa côté amertume là. Et maintenant, nous pour passer à la préparation nos bannes mogos qui nous pourraient remplir. Nous poissons salés finis sautés, refroidis. Maintenant, nous pourraient remplir nos bannes mogos qui nous pourraient frire après. Maintenant, nous pourrons remplir nos bannes mogos. Voilà, nous finissons aussi nos bannes mogos, nous remplissons avec poisson salé. Maintenant, nous passons à la friture. Et donc, nous laissons nos carailles chauds. Et dans sa préparation là, nous pouvons mettre quand même un peu de l'huile pour que nos mogos frient bien. Et ensuite, nous pouvons égoutter avant qu'ils nous préparent nos carailles. Voilà, nos carailles chauds, nous mettons de l'huile. Maintenant qu'il est de l'huile bien chaud, nous pouvons frire nos bannes mogos. Et là, de temps en temps, nous visons vérifier, nous retourner pour qu'il est bien frit partout. Donc, partout pareil. En attendant qu'il nous mogos puissent frire, nous pourrons préparer nos pommes d'amour pour nos carrés. Donc, nous laissons dorer encore quelques minutes avant, 1-2 minutes avant qu'ils nous retiennent. Nous vous laissons égoutter pour les bannes excédents de l'huile. Après, nous pourrons passer à la préparation du carré. Voilà, maintenant nous magosine bien frire. On va le retirer. Et nous mettons le papier absorbant pour comme on dit à vous, nous enlève ben, de l'huile en plus. Voilà, maintenant nous finissons donc
Seuls nos poissons salés, nous remplis nos morgues, qui nous frient, laissé égoutter pour enlever un excédent de l'huile. Et là, nous passons à la préparation nos carrés, nous mettons de l'huile à chauffer. Et donc, maintenant, nous frions nos oignons. Ne pas oublier nos petits lardons. On met moulage et gingembre. On met aussi mon feuille carré poulet, mon lavé. On met mon piment, comme on me dit, c'est optionnel. Si vous comptez pour moi, vous mettez, vous pouvez mettre plus ceci ou comment vous ne pouvez pas mettre du tout. Et on va mettre mon masala. On va mettre aussi une cuillère à safran. Et la poudre cotemilly. Et sans plus tarder, je mets mon pomme d'amour. On va ajouter un petit peu de l'eau. Et puis, donc, il roussit bien et aussi que le pomme d'amour reste ici. Là, nous laissons les cuire pendant quelques minutes, bien mijoter, nos pommes d'amour écrasées. Et en dernier lieu, nous pourrons mettre nos morgues pendant au moins 5 minutes avant la fin de la cuisson. Pour quand même y imprégner un peu ça, la sauce carrée là. Et là, nous pouvons mettre un petit peu du sel dans nos carrés. Pas beaucoup, vu qu'il nous morgueuse, nous mettons trempé dans du sel et aussi une remplie avec poisson salé. On rajoute un petit peu de cotemilly. Voilà, après quelques minutes, la saucine est prête. Et justement, pour nous connaître si y a une lasseuse, que ce soit rougail, carré, pour nous connaître quand il est prêt, c'est là que nous trouvons de l'huile qui monte à la surface. Je veux dire, là, nous sommes sûrs, notre préparation est prête. Là, nous pouvons mettre nos bandes morgueuses, nous les imprégner dans sa lasseuse carré-là pendant quelques minutes. Voilà, après quelques minutes de cuisson, nos carrés morgueuses sont aussi prêts. Et pour une petite touche, nous ajoutons encore un petit peu de cotemilly.
Et là, nous sommes capables d'accompagner ça avec une salade cocum ou bien avec une salade laitue, une sashimi man, donc une salade de haut choix. Voilà, ça va local profan ici. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous présentons un curry mogouz farci avec poisson salé. Et là, nous accompagnons avec une salade cocombe, carotte et du riz. Et sinon, vous pouvez accompagner avec salade de haut choix. J'espère que vous appréciez la recette, que vous suivez l'étape et que vous aussi vous capable de réaliser. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bon appétit!